Vas-y, ça va déchirer, ok. Ça marche, on est parti. Que cette histoire commence sûrement hey comme elle aurait dû. Dans un regroupement de plusieurs sortes d'individus, yo, dis-moi. Salut les gens, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques mois, j'ai fait la réaction de Jewel Hussein, ok? C'est pas un rappeur genre super connu et tout là, mais il est fort, ok? Et j'avais fait la réaction de son clip, je crois que ça s'appelait Skateboard. Et j'avais kiffé l'instru, j'avais kiffé le style, j'avais kiffé le flow. En gros, j'avais kiffé, ok? Et aujourd'hui, il a lancé son tout nude, son tout dernier clip qui s'appelle Control. Et il a écrit CTRL comme sur le keyboard, tu vois, sur le clavier. CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, tu vois. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et d'ailleurs, shout out, big up à lui pour l'avant-première. J'adore. Mais avant de commencer, il faut quand même que je remercie mes validés de Patreon, les gars. Thank you so much pour le soutien. Vous êtes les meilleurs. Big up à vous aussi. Voilà. Avant de commencer, sachez aussi que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews. Voyons aussi, il va continuer sur la même trajectoire de la puissance comme ça. Là. Allons-y. Ça commence avec une balle de basket. Je suis un très grand fan de basket et de NBA en particulier. Donc, ça commence bien. Moi, c'est Converse. Yes. Oh, ça commence bien. Yes. Regarde-moi le ralenti, là. Le principe est simple, prends la balle et shoot. De toute façon t'inquiète, il se passera que dalle si t'es chaud. Tu vas taffer de 9 à 5 et te casser le dos tous les jours. Et puis un jour crever un type à force de tendre l'autre joue. Alors autant le faire bien, t'as fait mes couplets. Attends, qu'est-ce que tu disais chérie, j'ai rien écouté. Yeah, j'ai vraiment l'impression que la personne qui a créé l'instru de Skateboard a également créé cet instru là. Parce que je reconnais les mêmes sonorités en fait. Parfois trop absent, j'ai les images, le reste est coupé dans ma tête. Et venez faire un tour de piste, mais quoi qu'il arrive, restez groupé. Ouais, ouais, voilà, t'as capté, exactement. Là, on coupe. Okay. Et cette partie-là. Regarde-moi ce studio semi-professionnel, minimaliste là, tranquille. On n'a pas encore entendu de basse là. Peut-être qu'il y a la basse qui va rentrer juste après. Paf, on la met de ce côté-là. Vas-y. Comme ça, dès que je vais reprendre. Vas-y, ça va déchirer, ok. Ça marche, on est parti. Que cette histoire commence sûrement comme elle aurait dû. Dans un regroupement de plusieurs sortes d'individus. Yo, dis-moi avec qui tu manges, à qui tu... Yes, voilà, ils ont mis la basse et du bon. Identifie-tu, sans hésitation possible, les mecs du fond, les résidus. Alors on élabore des plans pour ne pas se faire en l'écu. Ou rentrer dans les cubes, pas envie d'études. Et encore moins la putain d'envie de faire des tubes. Pas question d'être un pantin, je connais la fin. Ils veulent lire en moi comme dans un livre. Vont pas comprendre la fin car ils m'ont un peu l'estomac ulcéré. Ni mes fins de moi, le cœur qui tape sous un pull serré. Peut-être qu'on aurait dû se mettre à pic grave et ne plus céder. Ou bien peut-être qu'un jour on se contentera du SMIC. Quand la street prendra plus de CV, c'est la vie. Je t'épargne les détails, rien que tu joues. Je me demande quelles sont les origines de Jewel Hussein. D'ailleurs, comment on prononce ton blaze là, Jewel Hussein? Parce que moi, dès que je vois Hussein, je pense à Hussein Bolt, tu vois. Mais c'est Jewel Hussein, c'est ça? Est-ce que t'as des origines ivoiriennes? C'est ça que je me demande. Les mecs modestes, et pourtant rien que tu t'étales. Rien que tu joues les pros de la gâchette, les pros du métal. Tout le monde sait bien qu'ici bas la discrétion est le meilleur des produits létals. C'est un fait. Eux et moi c'est pas la même. J'ai tellement fait pleurer ma mère. Yo, c'est ainsi que s'éteignent les reines. Pendant qu'ils s'insultaient derrière leur PC comme si c'était réel. Mes potes et moi prenions le contrôle pour qu'ils comprennent. Le CTRL. Je crois juste en l'invisible. Nique les ventes de stream ou bien physique. Alors bien sûr ça paiera jamais de vacances jusqu'au sunset. Est-ce que la violence fera de nous des hommes? Je compte tous les défrapper, Dieu seul sait. Je ris jaune, couleur tournesol. Les mecs marchent la tête baissée. L'instru est balèze man. Comme s'ils allaient trouver leur thune au sol. Apparemment les problèmes savent bien me trouver. Même s'ils n'ont pas de boussole. Je partirai blindé si la mort me sonne. J'aime bien le clip parce que ça se voit qu'ils ont réfléchi. Ils se sont dit ah comment est-ce qu'on peut rendre ce clip le plus créatif possible avec les moyens du bord en quelque sorte, tu vois, juste comme ça, la filmer par en haut,
mettre une lumière sur lui, lui demander d'être agité avec les gens qui tournent autour de lui comme ça, là, qu'on voit à peine. Dans mon patio, juste pendant que je prends mon sirop, posé sur assez de bif pour remplir un silo. Mais pour l'instant, il est minuit sur ma Casio. Puis je me dis que demain c'est le moins, autant que le paradis me semble si haut. C'est bien là, tu donnes un shout out à tout le monde qui a travaillé sur ça là, c'est bon. Qui a fait l'instru? Je vois pas le nom du beatmaker. Ah, prod by Madka, c'est lui? Abonne-toi. Attends, mais t'es pas Joël? Si, je suis Joël. T-shirt jaune, lumière. Je suis comme jaune. Ouais. Tu veux un freestyle? Attends. Chérie, y'a rien d'eux. Skateboard. There you go. C'est son frère? Abonne-toi. Voilà, ils ont fait allusion à skateboard. Le son est lourd, hein. Checker son skateboard, il est vraiment bon. J'ai kiffé son flow comme d'habitude, très posé là, mais j'aimerais bien l'entendre changer de flow un petit peu plus, tu vois, pour voir s'il est polyvalent à ce niveau-là, tu vois. Mais sinon, il est très bien calé sur l'instru. Il va falloir que je réécoute le son pour voir ce qu'il est en train de raconter, parce que là, j'étais plus dans la dynamique de l'instru et comment lui, il pose sur l'instru, tu vois, comment il kick, ouais. Mais ouais, l'instru est ouf et j'ai bien aimé le fait qu'il pose comme ça le son au milieu, enfin pas au milieu, puis c'était plus genre, plus vers le début, où il te montre qu'il est en train de dire à l'ingénieur du son, là, ouais. C'est à ce moment-là que tu mets que tu fais rentrer la basse, là, tu vois. Ça, j'ai bien aimé, t'es en train d'inclure tes fans, en fait, dans la production du son, là, et j'aime ça, c'est très, très efficace. Surtout si t'as remarqué et que t'as compris que encore plus de gens s'intéressent au beatmaking, tu vois. Mais lourd, je dirais aussi lourd que skateboard. Sauf que skateboard, le clip a été tourné, je crois, au Japon ou je sais plus où là. Donc c'était plus visuellement plus différent, tu vois, plus intéressant, je dirais. Mais j'ai bien aimé aussi les petits glitch avec l'écriture contrôle et tout là. C'est nice. Moi, je suis pas inquiet pour le futur du hip-hop français. Surtout si t'es français, enfin je sais pas, hein. Peut-être que t'es belge aussi, mais moi je dirais plutôt français. Qui fait je valide? Voilà. Maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Joel Hussein. Est-ce que vous avez checké son skateboard qui tue? Dites-moi tout dans les commentaires. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de découvrir des sons avec vous. Stay safe, prenez soin de vous, passez une excellente journée et je vous attrape dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment?